2016 a été une année particulièrement marquante pour moi parce que ça a été l'année où je me suis inscrite au festival. Et c'est grâce à une amie en fait que je me suis inscrite et que j'ai eu l'opportunité de participer à tous ces magnifiques projets. Il s'agit de Francky. Donc voilà, si on invitait Francky. Francky, es-tu là? Coucou! Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va super, merci. Voilà, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Ouais. Bah dis-moi, Francky, pendant tes années au festival, qu'est-ce qui a pu te marquer? Alors, quelque chose qui m'a marqué le plus, c'était mon tout premier voyage. Alors mon premier voyage, c'était en Afrique du Sud. Mmh. Et c'est la première fois que j'ai rencontré des gens du monde entier au sein du festival. Et que j'ai chanté là-bas aussi. C'était vraiment bien. Et ensuite, j'étais en Roumanie pour les Olympiades. Et après, j'étais partie en Thaïlande pendant que toi, t'étais aux Philippines. Oui. Ouais. Wow. Et aussi, un truc qui m'a marqué, c'est quand on avait toutes les deux chanté Bagnolo do Mayat. Mm. Et ouais, on l'avait chanté en France, en Allemagne et en Belgique. Yes, et en quelle année ça? 2017? Ouais, en 2017. Yes. Et la vidéo, elle avait fait 3 millions de vues. 3 millions? Ouais, je suis choquée. Énorme. Énorme, incroyable. Ouais. Wow. Bah écoute, et si on se regardait ça à nouveau? Ouais. Yes, super. Allez, c'est parti.